Alors, la ruralité, ce n'est pas nouveau. Hein. Je le rappelle, le PMU, c'est 13 500 points de vente. C'est à peu près 3 200 dans des communes de moins de 3 500 habitants et un millier dans des communes de moins de 1 500. Donc, c'est une histoire du PMU qui a une forte empreinte locale en rural. Pour autant, quand on regarde de manière précise les chiffres, on se dit qu'il y a effectivement un potentiel complémentaire par rapport à la situation qu'est la nôtre à aujourd'hui. Probablement de l'ordre de 200 à 300 communes aujourd'hui qu'on pourrait effectivement équiper en termes de prise de pari PMU. Donc nous y travaillons. Nous y travaillons en collaboration bien évidemment avec les syndicats professionnels. Nous y travaillons aussi dans une vision technologique qui est d'alléger bien évidemment la connexion de ces points de vente, hein, puisqu'il nous faut un chiffre d'affaires minimum pour pouvoir faire en sorte que ces opérations soient rentables. Et donc il y a des projets actuellement qui sont effectivement en cours, sur le plan informatique notamment, pour voir dans quelles conditions nouvelles on peut imaginer connecter un point de vente de moindre potentiel, puisque c'est bien ça le sujet en réalité.